Yon l'autre fois, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous avec l'équipe Bombard Media now là, depuis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Jodi a nous pas l'invite au suivre yon l'autre voyage matériel qui a entré dans le pays pour aider combattre COVID-19 là. Mais avant de faire ça, l'équipe Bombard Media now là, voulait remercier tout le monde qui toujours branché Bombard Media now pour information pays. Et yon gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Bombard Police et qui Bombard Media now là, nous apprécier ça. Et si c'est premier fois visiter nous information partager intéressé ou pas oublier abonner avec Bombard Media now et puis ouvrir chaîne notification, ça permet de faire partie équipe notification Bombard Media now là. Et bien nous va perdre temps, n'a dérouler avec information yo. En ouais. Jeudi à ce mercredi 13 mai 2020, nous pas l'invite au côté ministre santé publique et population, docteur Marie Clément qui parle bailler dernier détail sur voyage matériel ça qui fait entrer ici dans pays a jeudi. Eh bien, nous pas perdre du temps, c'est information ça nous porte pour n'a commencer coulier à aéroport. Tout ça l'ouverture à côté pour deuxième fois pendant journée mercredi 13 mai 2020 ça à télévision nationale d'Haïti à Bédo vive deuxième voyage yon avion qui vient porter matériel que gouvernement haïtien a commandé toujours dans cadre et lutte à mener contre COVID-19 là dans pays d'Haïti. Et matin, c'est un premier avion qui est déjà venu depuis 4h du matin, qui était porté au premier lot et matériel. Deuxième, là, nous avons deuxième fois pendant la journée. Et encore une fois, un deuxième avion qui débarquait plusieurs lots matériels avec équipement gouvernement commandé dans le pays de la Chine pour mener contre présence COVID-19 dans le pays d'Haïti. Et maintenant, depuis 19 mars 2021, yo te trouvé deux premiers moun nan pays d'Haïti qui te gen maladie sa nan san yo. Et bien depuis lors, gouvernement li te commencé poser des actions, prendre des dispositions pour capable mener action contre présence maladie sa. Et yon nan disposition, yon nan action yo te prend, c'était là yo te commandé matériel pour affaire de $18 million nan pays la Chine, c'est des matériels qui gen rapport avec lutte a fait maladie ça et Jean ministre santé avec population docteur Marie Greta Roy lui-même l'était précisé yo te commandé 463 tonnes de matériel ça Jean te dit là yo pas t'ap ka venir une seule fois donc c'est pendant 5 fois matériel ça t'ap bien pour rentrer dans pays d'Haïti jeudi qui était 7 mai premier avion t'est venu avec un stock matériel lundi 11 mon deuxième voyage qui réalisé. Et bien jeudi mercredi 13 ça pendant deux fois matériel vient débarquer dans pays d'Haïti ça qui au total 4 voyages dans 5 voyages qui t'a dû fait yo déjà gain 4 voyages qui fait pour venir débarquer matériel que l'état t'a commandé dans pays la Chine et faut préciser que matériel ça dans un premier temps yo arrivé dans pays a officiel yo jeudi à là c'est ministre santé publique là lui-même qui vient superviser débarquement matériel ça au sous piste aéroport tout c'est l'ouverture elle vient garder qualité yo etc vérifier est-ce que ça vient aussi ça oui vraiment dans un second temps matériel ça yo pour entreposer dans un dépôt qui trouvé dans Sonapi et de Sonapi étant yo pour commencer distribuer matériel avec équipement ça yo dans plusieurs centres avec espace yo créé dans occasion c'est-à-dire dans pour capable pour recevoir monde qui est infecté par maladie ça le COVID-19 là dans le pays d'Haïti et nous connaissons 19 mars c'était une date assez importante dans affaire lutte à mener contre pandémie ça qui est le COVID-19 là de 19 mars jusqu'à jeudi mercredi 13 mai ça n'a pas parlé là déjà gain on a fait de près de 219 monde dans le pays d'Haïti qui déjà gain yo déjà testé et yo joine yo gain maladie ça 219 cas confirmés dans 219 moun sa yo gain 184 moun jusqu'à présent sorti 19 mars pour arriver jeudi mercredi 13 mai ça gain 184 moun qui vivent avec maladie ça dans koyo 184 moun qui toujours en vie qui vivent avec qui poko guéri. Malheureusement, il y a 18 personnes qui guérit, qui mourit, pardon, il y a 18 personnes qui mourit et il y a 17 personnes qui guérit. Donc, 184 personnes, c'est quantité de personnes qui vivent toujours avec maladie à l'ensemble. 17, c'est quantité de personnes qui guérit.
18, malheureusement, c'est quantité de monde qui mourit. Ça part en total de 219 monde qui infecté depuis 19 mars pour arriver jeudi, mercredi 13 mai 2021. Et c'est un moment, c'est une occasion, l'autre fois encore, pour nous toujours moi sensibiliser moun yo sou consigne yo consigne là c'est sou pa gagné on pral régler dans la ria rete la caillou et même sou rete la caillou qui tout dans la ri tout toujours chercher yon moyen pour laver mais toujours chercher un gens pour laver même et n'a signalé que ministre santé publique a été présent et là la porte plus détail et dans micro la presse. Combinaison, c'est ça que j'ai déjà montré nous, c'est ça l'opète là que vous nous mettez, pour être capable de prendre soin de malade. Donc, je répète, nous recevons après-midi 50 000 sur blouse, 100 000 sur chaussures, 10 analyseurs biochimiques, 500 pompes à infusion, 520 carbone, 4 950 combinaisons. Toujours même message. C'est pour la population qui travaille, pour bien la population. Et nous demandons pour toujours continuer à suivre les mesures de prévention que MSPP baille. Donc, je vous remercie et je dis à bientôt. La population, Marie Tawa, qui a apporté des détails, apporté des précisions, la quantité matérielle qui rentrait. Je nous précise là pour une deuxième fois pendant mercredi. Et 13 mai ça, un deuxième avion rentré, toujours dans le cadre de commandes matérielles qui déplacées par le gouvernement ici, dans le cadre de lutte qui a mené contre le COVID-19 là, dans le pays d'Haïti. Et je ne dis là, ça fait 4e voyage, dans 5 voyages qui ont été faits, il y a 4 qui fait déjà. Donc, matériel qui est rentré dans le pays, et je ne dis là, mais sans préciser, c'est des matériels que vous pourrez distribuer dans différents sites avec espace qui est créé pour aider à lutter contre COVID-19 là dans le pays d'Haïti. Nous pas finir la transmission ça sans pas rappeler mon consigne, rester la caillou sous pas parler grand dans l'aria, pas jamais hésiter, laver mes nous chaque fois nous mailler un objet et si nous rester la caillou nous tout, ça pas empêcher que nous éviter bail nous bail mon 3 mètres distance parce que moment pas gain accolade, pas gain embrassade, pas gain et bail en main. C'est ça, nous avons la distance sociale et la distance physique là. Et chaque fois qu'on prend la rue, toujours mettre masque pour boucher nous avec bouche nous. Parce que depuis lundi 11 qui sont passés là, c'est une obligation pour mettre masque chaque fois qu'on prend la rue. Et ça qui est important, si on prend la rue, mettez masque, bah, on doit mettre distance, mettez la caillou, lavez même vous, c'est consigné ça, c'est geste bagué ça. Toute une équipe est mobilisée depuis 4h du matin pour de vivre. Deux fois pendant la journée, avion qui vient distribuer, qui vient porter matériel. Télévision nationale d'Haïti, chaîne 8, chaîne 10, chaîne 12, là, la chaîne de service public, nous mobiliser pour nous de vivre comment matériel sort. Dans le pays d'Haïti, toujours dans le cadre de mobilisation qui a fait, dans la lutte qui a mené contre le COVID, là, chaque côté a parlé de santé publique, télévision là, pour nous connaître qui ça a fait dans la lutte qui a mené contre le COVID. Là. Nous sommes mis en nous retournons vite dans Port-au-Prince, quand il y a Port-au-Prince, nous allons retourner mes balais encore pour nous comprendre tout ce qui a mené dans le cadre de lutte contre COVID-19 dans le pays d'Haïti. Restez sur la télévision nationale d'Haïti pour connaître tout ce qui a passé dans le pays. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec la chaîne. Non? Et toujours songez pour activer la petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babis à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.